Premier ministre Viktor Orban. Talán az a helyes, ha legelőször is... Alors, tout d'abord, il faut remercier la présidente pour avoir bien géré ce débat plutôt orageux. Et il faut également remercier au nom de la présidence du Conseil le bureau. Malheureusement, ce débat a dépassé les limites de ce qu'il devait couvrir. Cela a été bien au-delà des limites de la vérité. Le plus souvent, il s'agissait d'accusations des plus absurdes que j'ai entendues, basées sur des lignes partisanes et la propagande. J'aurais aimé discuter d'autres questions à propos de la présidence hongroise, l'état de droit, la corruption, mais malheureusement, votre propagande m'en a empêché, alors que j'aurais voulu aborder certains sujets. Le rapport de la Commission européenne a dit que la Hongrie, en ce qui concerne le ministère de la Justice, le département de justice, a respecté tous les critères. Et je tiens à mentionner qu'il ne s'agit pas ici de Georges Soros et de ce que vous avez. Mais là, à propos de corruption, vous voyez que la Hongrie n'est pas tellement différente de vos propres pays. S'il y avait eu un débat raisonnable, j'aurais pu vous dire que le système d'appel d'offres publiques en Hongrie, d'après la Commission européenne, respecte tous les critères en la matière. Et j'aurais voulu pouvoir vous dire également que d'après la recherche la plus récente, la démocratie se porte mieux chez nous que dans la plupart des pays européens. Les Hongrois peuvent même protester s'ils le souhaitent. J'aurais voulu vous parler de tout cela, mais malheureusement, ce débat a été court-circuité et a débouché sur de la pure propagande au sein du Parlement européen. Des accusations ont été portées à mon encontre. On dit que je suis corrompue, mais j'ai l'habitude. Cela fait déjà 35 ans qu'on m'accuse de tout et n'importe quoi. Tout le monde sait que c'est faux. C'est de la propagande de gauche et je peux survivre. Merci. Mais il y a certains points que je voudrais quand même mentionner. Ce qu'a dit M. Daniel Freund, qui parle de la corruption en Hongrie, mais lui, il est le plus corrompu, car il est payé par George Soros, qui paye pour le rapport que Freund a rédigé sur la Hongrie. Je n'ai jamais rien vu d'aussi corrompu de toute ma vie. Un député néerlandais a dit qu'il finance la Hongrie, que les Pays-Bas financent la Hongrie. Donc les contributeurs nets qui financent indirectement des pays comme la Hongrie. Mais vous en retirez davantage de ce que vous envoyez. Donc tout le monde y trouve son compte. On ne vous fait pas de faveur lorsque, enfin de ce point de vue, Nous défendons aussi vos intérêts. Voyez les statistiques, les dividendes des investissements étrangers sont supérieurs à l'argent que vous donnez à la Hongrie. Donc ce que vous gagnez sur notre dos, vous ne nous soutenez pas. Et certains représentants de certains pays riches nous attaquent à cause des valeurs européennes, alors qu'ils pensent qu'à leur profit, ils veulent juste de bons accords financiers.
Mais s'il y a un bon accord, nous pouvons coopérer. Et ici, dans la plénière du Parlement européen, j'ai dû entendre les commentaires sur l'état de droit. Et ils disent que, bon, ici, il ne s'agit pas de l'état de droit. Ce n'est pas de cela qu'il retourne. Je trouve que c'est absurde. Je trouve qu'il est absurde également qu'il y ait un député belge qui veut donner des leçons à la Hongrie à propos de l'état de droit, alors que lorsque l'on voulait une conférence sur l'état de droit, ils l'ont bloqué. C'est tout à fait absurde. Comment est-ce possible? Ce type d'hypocrisie est vraiment étonnant. Malheureusement, un député hongrois a dit que nous ne nous soucions pas des problèmes de la population hongroise, mais cela sortait de la bouche de quelqu'un dont qui ne représente que 8%, et alors que nous avons eu 45% des votes. Alors, qui s'occupe des problèmes de la population. Ensuite, un député socialiste a dit que nous sommes trop proches de Poutine. Mais bon, il faut le mentionner. Vous avez eu Poutine à la table de votre cuisine et vous en étiez fier. Et on a vu l'image dans les médias et maintenant vous nous lancez la pierre. Et c'était quand votre mari était Premier ministre hongrois. Désolé de le dire. Bon, les députés ont été entraînés dans des dissensions internes de la politique hongroise, mais notre démocratie se porte très bien, merci. Elle est très vivace et je suis désolée que les discussions national des députés hongrois et pris place ici aujourd'hui car ce n'est pas l'endroit approprié, mais je ne peux rien y changer. Il me fallait réagir à ces commentaires malheureusement. Donc ce n'est pas la bonne manière, d'après moi, qu'un député hongrois attaque son propre pays au Parlement européen. Quel drôle de comportement, c'est un forum international et ils s'attaquent à leur propre pays. Il est également absurde ce qu'a dit le député PPE en Hongrois qui a dit il n'y a pas si longtemps, on le voit dans les journaux en Hongrie, ils nous attaquent dans leurs commentaires. Dans la presse hongroise. Donc, je crois qu'il est pathétique que un Hongrois parle de cette manière ici, alors qu'ils font l'objet de poursuites pénales en Hongrie pour avoir volé des fonds publics et que le mandat ici leur permet d'avoir l'immunité parlementaire. Et c'est votre responsabilité morale. Et je pense enfin, je me suis rendu compte que la gauche ne veut la démocratie que si elle en retire un avantage, mais si c'est la droite qui gagne, alors pour eux, c'est la fin de la démocratie. Ils ne veulent pas la démocratie. Et ce débat m'a montré, à moi, qu'il est assez évident que l'Europe doit être protégée contre la gauche. Et c'est quelque chose d'honorable pour la Hongrie. Si vous voulez voir la Hongrie, venez en Hongrie. Delev devrait venir en Hongrie. Même si nous ne sommes pas d'accord avec vous, vous êtes les bienvenus. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.
Thank you to all the colleagues who participated in the debate. Merci à tous les collègues qui ont participé au débat. Le débat est clos. We will proceed to the vote. Nous allons passer au vote. We will suspend for 1 minute and nous suspendons pendant 1 minute et ensuite nous passerons au vote.